Tout ce qui se fait ici est fait en partenariat avec les acteurs du territoire. Et tout ce qui est proposé est gratuit et ouvert à tout public, sauf exception quand on a des offres de services un peu plus fléchées. Mais voilà, c'est vraiment cette idée d'accueil, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu de résidence, et surtout cet accueil multistatut, donc tout à fait complémentaire de tous les acteurs qui ont, eux, leur public, d'une certaine manière. Et donc, on accueille aussi les publics de tous les autres, finalement. Sur les 300 structures, puisqu'on parlait de ça là tout récemment, nous, on en a, enfin, dans mon service, en tout cas, il y en a 20, et puis il y en a deux aussi dans le service d'Agnès Gardini. Donc, ce sont 20 espaces départementaux des solidarités dans lesquels travaillent 350 assistantes sociales du conseil départemental, près de 200 secrétaires, et puis... en tout, une bonne quarantaine, plus de 40 cadres. Donc, en fait, ces structures-là, qui s'appellent des espaces départementaux des solidarités, exercent, où il y a trois services, je vais vous dire ça très très brièvement, hein, parce qu'on est bien évidemment plus sur l'objet de votre saisine, qui est l'impact du chômage sur les personnes, leur entourage, et comment on prévient et on accompagne. Dans nos services, on accueille toutes les personnes en difficulté, surtout toutes ces personnes en difficulté, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche d'emploi. Mais c'est plus large que tout... Enfin voilà, on accueille plus de gens que seulement ceux qui sont au chômage ou à la recherche d'emploi. Donc dans ces structures-là, on exerce l'action sociale que vous connaissez tous, hein, qui est l'action conjuguée de nos secrétaires, qui ont un rôle très important, de nos assistantes sociales, des conseillères en économie sociale et familiale aussi. Et c'est ouvert à tout public. Donc, quand on parle de l'impact du chômage, c'est vrai que nous, on voit ça tous les jours. C'est-à-dire, c'est des baisses de ressources. Enfin, je ne vous apprends rien, c'est dans votre saisine, des baisses de ressources, des baisses de l'estime de soi, des baisses de l'estime des autres. Et c'est des difficultés financières qui vont de l'endettement au surendettement, du risque d'expulsion, du risque de se retrouver à la rue. Des difficultés conjugales, familiales, parentales,
Et vous l'avez souligné, vous aussi, madame, parce que quand on dit familial, parental, on pense aux enfants. Mais je pense qu'il faut aussi parler des parents, des grands-parents qui sont impactés par le fait qu'un jeune puisse être au chômage de longue durée, par exemple. Et donc, on exerce dans nos structures des actions individuelles et des actions collectives de façon à redonner de l'estime de soi, redonner accès. Et ce que vient de dire M. Belloc me faisait aussi beaucoup penser à ce qui est un objet de réflexion chez nous très récurrent, qui est la lutte contre le non-recours. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a on a beaucoup d'institutions, beaucoup de possibilités, mais on a aussi beaucoup de gens qui ont perdu la confiance dans les institutions et qui ne viennent pas jusqu'à nous. Comment est-ce qu'on va essayer de leur donner accès à tous les droits, parce que c'est notamment l'un des objets de ce que notre conseil départemental, l'exécutif de notre conseil départemental, a voulu mettre en œuvre d'une façon très volontariste en 2013, en créant le schéma départemental d'action sociale de proximité. J'en ai quelques exemplaires et je pourrais vous les donner tout à l'heure. Mais ce n'était pas du tout une obligation pour ce conseil départemental de créer ce schéma. C'est vraiment une action volontariste de notre exécutif, avec des grandes orientations qui ciblent bien quels sont nos objectifs, quoi. Donc la première orientation, c'est de dire que le conseil départemental est un bouclier social pour tous les publics et qu'on a une politique élargie de garantie et de défense de l'accès aux droits. Donc ça, c'est ce qu'on exerce dans toutes nos structures. Et bien évidemment, en grand maillage, mais vous le verrez dans la dernière orientation, avec tous nos partenaires. La seconde orientation, c'est que c'est un exercice qui se fait dans la proximité et aussi qui est un plein exercice de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on essaie de redonner, bien évidemment, tous les gens sont des citoyens, mais ils exercent plus ou moins, j'allais dire, l'exercice de ce... Enfin, ils exercent plus ou moins cette citoyenneté. Et on essaie toujours, par le biais de ces actions individuelles ou collectives, de leur redonner le plein exercice de la citoyenneté. Et puis la Cité des métiers en est un bel exemple. La troisième orientation, c'est de donner à chacun l'autonomie, plus d'autonomie en tout cas, parce que plus d'autonomie et une pleine autonomie et d'insertion pour tous les publics, c'est la conjugaison entre les actions de nos deux services, puisque ma collègue va vous présenter aussi ce qui est le deuxième grande orientation programmatique de notre collectivité dans le champ de l'action sociale. On a voulu aussi mieux mailler, parce que effectivement, on le souligne, on a plusieurs structures. Et à l'intérieur, par exemple, de notre grande collectivité qui compte 8000 agents, on a plusieurs directions qui concourent à l'action sociale. Il n'y a pas que la direction de l'action sociale qui concourt à l'action sociale dans notre collectivité. Donc l'idée, c'était de mieux mailler. Bien évidemment, on le faisait auparavant, mais de l'accentuer, tout ce qui se trame et ce qui se noue à l'intérieur de la collectivité entre des directions qui concernent l'habitat, qui concernent l'économique et l'emploi, qui concernent l'action sociale, qui concernent l'enfance et la jeunesse. Ben voilà, toutes ces directions qui concourent à l'action sociale. Et puis, bien évidemment, la dernière orientation, c'est de conjuguer tout ça avec nos partenaires, et nos partenaires sont moult, que ça passe de Pôle emploi, de la CAF, la CRAMIF. Vous me dites si vous ne comprenez pas bien nos acronymes, hein, parce que nous, tous les CCAS avec lesquels nous travaillons dans une grande proximité, la caisse, la CEPAM, la caisse d'assurance maladie, voilà, j'en oublie sans doute, mais en tout cas, bien évidemment, nos actions ne peuvent être que maillées avec nos grands partenaires. Et donc je parlais, j'y reviendrai tout à l'heure, puis après je vais laisser la place à Agnès pour la deuxième partie sur le deuxième plan. Mais hier, nous avions un grand forum des actions collectives. Je ne sais pas si vous en avez peut-être entendu parler, mais en tout cas, bon, nous ne le faisons pas tous les ans, mais à peu près tous les deux ans. Et c'était un rassemblement extrêmement intéressant, où nous avons partagé avec les citoyens, avec tous nos professionnels, sur tout ce que nous montons, et il y en a vraiment beaucoup, il y en a plus de 300 dans l'année, des interventions collectives, dans l'objectif, et en complément de l'action individuelle, de remailler, de retisser, et de la citoyenneté, de l'accès vers la culture, de la remobilisation, enfin voilà, tout ce qui peut se faire au niveau du collectif,
et qui fonde un petit peu, qui sort les gens de l'isolement, parce qu'on voit bien que le chômage et les difficultés projettent encore plus les gens dans un isolement. Et comment est-ce qu'on les ramène ensemble, on leur redonne confiance, on fait jouer la résilience pour qu'effectivement ils aillent vers plus d'autonomie et vers l'insertion. Oui, en complément de ma collègue, je voulais vous faire un petit zoom sur plus particulièrement la politique d'insertion en Val-de-Marne qui s'adresse prioritairement, mais pas exclusivement, au public allocataire du RSA dont certaines personnes sont présentes aujourd'hui. Nous avons en Val-de-Marne donc un plan stratégique départemental d'insertion qui répond au cadre législatif, hein, puisque vous savez que la loi sur le RSA positionnait les départements comme chef de file de l'insertion et en particulier leur demandait d'élaborer un PDI, un plan départemental d'insertion. Chez nous, ça s'appelle un plan stratégique départemental d'insertion. Quelques données peut-être sur le public allocataire du RSA en Val-de-Marne. 38 700 allocataires du RSA et j'ai croiser les chiffres pour m'assurer, presque un allocataire du RSA sur deux est inscrit à Pôle emploi en Val-de-Marne. Hein, on est en catégorie A, on vérifiera ces chiffres avec Pôle emploi tout à l'heure, mais voilà. Aujourd'hui, donc, la population val-de-marnaise allocataire du RSA, près de 50% sont inscrits à Pôle emploi. Le principe de notre plan stratégique départemental d'insertion est effectivement, il s'inscrit en complémentarité avec le schéma d'action sociale, c'est d'affirmer que l'insertion, c'est un accompagnement qui prend en charge la globalité des composantes d'une personne. On n'est pas du tout sur une approche clivante, hein, qui serait d'un côté il y a l'emploi et puis de l'autre côté il y a les problèmes sociaux. La vie quotidienne de nos travailleurs sociaux ou des agents qui sont en charge de l'insertion témoigne sur le fait que l'intrication des problèmes sociaux et des problèmes et de la recherche d'emploi produit des effets assez dévastateurs sur le public. Et c'est bien l'intrication des deux, c'est-à-dire la perte pour un certain nombre de publics, hein, attention à ne pas généraliser, de nombreux allocataires du RSA sont autonomes, sont dans des recherches d'emploi dynamiques et n'ont pas besoin de nos services. Nous parlons, nous, des publics que nous recevons dans nos structures, qui sont plutôt des publics qui ont besoin d'un accompagnement social. Et là, effectivement, au quotidien, on a le sentiment que les publics qui rencontrent des difficultés dans leur recherche d'emploi et qui cumulent des difficultés sociales sont des publics en détresse. Je voulais vous faire remonter quelques éléments quantitatifs qui sont, de mon point de vue, assez intéressants. On a un dispositif d'évaluation sur le parcours des allocataires du RSA. Ce dispositif s'appelle CEPIAE. Il permet de faire un état des lieux des publics lorsqu'ils rentrent dans une action d'insertion. Donc c'est un dispositif qui n'englobe pas tous les allocataires du RSA, mais qui englobe pour l'année 2014 5 000 allocataires du RSA qui sont rentrés dans un dispositif d'insertion, dans des actions d'insertion. Et à l'entrée de ce public dans les actions, on fait un certain nombre d'entretiens pour faire le point sur les objectifs, l'état des personnes, ce qu'ils attendent. Voilà. Et donc, le retour de ce travail, c'est que 18% de ce public évoque des problèmes de santé. Donc je ferai un zoom plus particulier sur les questions de santé. Et le frein sur la santé arrive en quatrième position, après les problématiques de formation. La première problématique identifiée par ce public, c'est un problème de formation. La deuxième, c'est un problème de logement. Donc ça rejoint ce que disait Chantal sur les questions très concrètes d'accès au logement. Ensuite, bien sûr, les difficultés financières. Lorsqu'on est allocataire du RSA, de fait, on a des ressources très limitées. Et enfin, le quatrième frein est celui de la santé, qui est identifié donc par le public
comme étant un frein important. À l'intérieur de ce frein santé, il est pour une personne sur deux un problème identifié comme étant un problème de santé physique, et il est ensuite pour un quart identifié comme étant un problème lié à des dépendances, et pour un autre quart lié à des problèmes de santé mentale, sachant que ce qu'on appelle santé mentale dans cette rubrique relève, on pourrait le dire, plus de soit d'un mal-être, d'un sentiment de mal-être, d'une détérioration des relations à l'autre, jusqu'à des problèmes de pathologie. Hein. Donc santé mentale est vraiment à entendre comme un sens très large. Mais ce qui est intéressant, c'est que 25% de ce public identifie un problème autour de la santé en lien avec soi-même et les autres. Ce sont essentiellement des hommes seuls qui sont surreprésentés dans ce groupe, et des personnes qui sont, des personnes seules. Et c'est intéressant parce qu'il y a de plus en plus de travaux qui sont conduits hein, sur la question de l'effet solitude, c'est-à-dire comment la précarité s'entremêle et se tricote avec des personnes isolées favorise des problématiques de santé. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, toujours du côté du public, hein, là, je vous fais retour du ressenti de personnes qui ont été interviewées au moment de leur entrée dans une action d'insertion. Ce que nous avons identifié, la confiance en soi, mais qui pourrait être nommée l'estime de soi. Pour 12% de ce public, il y a véritablement un ressenti de problème autour de la confiance de soi. Et là, on est plutôt sur un public féminin, et plutôt sur un public féminin, femme avec enfant. Voilà, donc deux constats qui sont complètement entrecroisés avec la remontée des travailleurs sociaux dans nos structures qui identifient les problèmes de santé au sens large comme étant très envahissants, très freinants et pour lequel il y a un sentiment du côté des acteurs d'être assez démunis, d'être assez... dépassés et démunis. Alors bien sûr, dans les problèmes de santé, il y a la question de l'accès aux droits. On le disait tout à l'heure avec Chantal, nos services sont en permanence en train de refaire fonctionner l'accès aux droits. Il n'y a pas encore longtemps, la CMU n'était pas acquise pour tous les allocataires du RSA, la CMU complémentaire non plus. Donc voilà, il faut en permanence garantir les droits, parce que les droits ne fonctionnent pas nécessairement tout seuls. Et puis il y a la question de l'accès aux structures de soins, quelles qu'elles soient, qui reste aujourd'hui une lutte permanente. Et j'aurai sans doute l'occasion de vous présenter quelques expériences où nous avons tenté de résoudre ce problème de l'accès aux structures de soins. Voilà, je souhaitais faire un zoom sur ces deux questions d'estime de soi et de santé qui sont aujourd'hui le quotidien des publics, d'une partie des publics, dont des allocataires du RSA, mais encore une fois, il s'agit des publics les plus en difficulté. Si on parle que des allocataires du RSA, par exemple, hein, on a, pour les accueillir dans le RSA, on va dire, une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils ont un droit ouvert au RSA, on a monté des journées d'information et d'orientation. On les appelle les JIO, des journées d'information et d'orientation auxquelles on convie tous les nouveaux allocataires. Et on va avoir un panel, non seulement nos services à nous, mais la CRAMIF, la CEPAM, Pôle emploi, de façon, comme on le dit, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois, de maximiser l'ouverture à tous les droits. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont des droits qu'ils n'ont pas réclamés. Mais il faut maximiser et puis aussi le faciliter. Donc là, dans ces journées-là, effectivement, les gens vont avoir beaucoup d'informations, mais aussi des accès facilités, on va dire. Bien évidemment, on travaille aussi avec nos partenaires, autant qu'on le peut, les partenaires locaux, c'est-à-dire
les espaces départementaux des solidarités avec leurs partenariats, puisque un espace départemental des solidarités, on en a 20 sur le département, couvre de une moitié de ville sur certaines grosses villes, on va dire, à plusieurs, comme sur le plateau Briard, où là, on a 9 communes, je crois, dans cet espace-là. Donc là, on va à chaque fois chercher à travailler avec les structures de proximité, les structures communales, les structures plus, enfin, les hôpitaux, les CLP, etc., pour faciliter. On a un projet qui s'appelle pour l'instant Précarité Santé Mentale, sur lequel je crois tu reviendras tout à l'heure, qui est aussi pour faciliter l'accès aux soins du registre de la santé mentale à des gens pour qui ce n'est pas très facile. Et puis, dernier point pour faire court, on a dans nos EDS des permanences des missions sociales. Je ne sais pas si vous connaissez les missions sociales de la CPAM. On a dans 11 de nos EDS des permanences des missions sociales. Et là, vraiment, c'est un très, très beau partenariat. Et ça facilite grandement pour les gens qui sont en difficulté et qui viennent jusqu'à nous, parce qu'effectivement, ils ne viennent pas tous, mais... En tout cas, pour ceux qui viennent, ça facilite grandement leur rapport, on va dire, avec la Puma particulièrement. Dans un EDS, on a une permanence CAF aussi. Et voilà, c'est du bénéfice, tout bénéfice de part et d'autre. C'est aussi du bénéfice pour nos professionnels. C'est pas que du bénéfice. C'est comme ça qu'on l'a construit. Hein. C'est pas que du bénéfice pour les publics. C'est aussi du bénéfice pour nos professionnels parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que... les réorganisations, j'allais dire, de ces la CAF, la CEPAM, etc., font que, des fois, les liens sont différents, on va dire, d'auparavant et moins faciles. Et donc, quand on les a sur place, c'est un peu plus facile. On a aussi, quelquefois, des formes de partenariat, en tout cas sur les questions de santé, où on arrive à déceler des bonnes pratiques, puisqu'il me semble que vous étiez à la recherche aussi de pratiques qui sont soit innovantes, soit qui produisent des choses intéressantes pour le public. Et il me semble qu'on arrive de plus en plus à repérer des bonnes pratiques, en tout cas dans le domaine de la santé. Cette idée aussi d'aller vers les publics. Voilà, je crois que là-dessus, on a bien avancé avec certaines structures. Je pense en particulier avec la psychiatrie, dont faisait référence Chantal. Pendant des années, on a été très en attente d'une meilleure collaboration avec les services de la psychiatrie. Et aujourd'hui, grâce à certaines équipes qui se sont montées, qui s'appellent les équipes mobiles de psychiatrie précarité, hein, les EMPP, qui sont vraiment des équipes spécialisées sur l'accompagnement des publics précaires, on a trouvé des formes de partenariat qui sont véritablement au service des publics les plus en difficulté. Et cette forme de partenariat, eh bien, c'est que la psychiatrie se déplace là où sont les publics, et non pas qu'on soit toujours sur la fameuse attente de la demande de certaines personnes. Et donc là, on a des expériences que l'on travaille aujourd'hui avec les Murets, où une équipe composée d'infirmiers, de psychiatres, se déplace dans des structures... qui accueille des publics et va dans une relation à construire, une relation qui n'est pas obligatoirement dans un cadre classique de consultation, va se mettre à disposition de ce public, va pouvoir parler de ce qu'est la psychiatrie, parce qu'on a tous beaucoup de représentations de cette psychiatrie qui serait pour les fous, et on est loin de ça, et de comment, autour de ce lien, avec des publics en difficulté, peut se construire progressivement un accompagnement vers les soins, entre autres pour des personnes qui vont mal et qui sont en souffrance psychique. Voilà. Donc il y a des expériences comme ça qui évoluent, je dirais, sur des formes un peu ajustées aux besoins des publics. L'autre, me semble-t-il, l'autre dimension dans la santé, c'est que nous mettons de plus en plus en place d'actions collectives pour ne pas répondre et pour ne pas être que sur des réponses individualisées. La réponse individualisée, elle peut devenir une réponse stigmatisante ou culpabilisante, alors que quelquefois le collectif, le passage par un collectif permet
de se décentrer des problématiques personnelles et de constituer autour des personnes un collectif de ressources et pas uniquement des réponses individuelles au mal-être des personnes. Donc voilà, on a des structures qui s'appellent les espaces d'insertion et qui organisent des matinales autour de la thématique de la santé, où ce sont des collectifs de Val-de-Marnais qui se mobilisent pour rencontrer des médecins, des infirmiers, des spécialistes de telle ou telle pathologie pour répondre à leurs questions, à leurs préoccupations. Et un certain nombre de ces personnes peuvent ensuite aller vers une prise en charge individuelle. Mais on voit bien que le collectif est vraiment un lieu de ressources et qui permet aussi de mettre de la distance face à des situations de détresse qui sont très, très culpabilisantes hein, pour certains publics. Donc voilà, on voit apparaître là aussi un travail intéressant sur la dimension collective. Et enfin, me semble-t-il, le troisième point de toutes ces expériences autour de la santé, c'est que l'objectif, c'est de rejoindre le droit commun, bien évidemment. L'objectif, c'est de pouvoir aller au CMS, c'est de pouvoir aller à la sécurité sociale, mais que quelquefois, je dis bien quelquefois, hein, pour une partie du public, il y a besoin d'étapes intermédiaires, d'accompagnement, où on travaille sur, entre autres, l'estime de soi et la reprise de confiance pour aller vers les structures. Moi, il me semble, et je pense que Chantal partage notre constat, c'est qu'il y a une perte de confiance dans les institutions pour une partie des publics en recherche d'emploi, il y a une perte de confiance et que nous sommes un peu, alors les travailleurs sociaux, les collègues qui travaillent dans l'insertion, nous sommes un peu en train de faire de l'intermédiation en fait, hein, en train d'aider à retrouver le chemin des structures publiques et ouvertes à tous. Alors, pour tenter de répondre à votre question sur comment est-ce qu'on accompagne tout le monde, en gros, hein, je ne sais pas si c'est... Ceux qui ont des besoins de ce côté-là. Oui, bien sûr, ceux qui ont des besoins de ce côté-là. Alors, pour ce qui concerne les allocataires du RSA, j'allais dire même les autres, hein, dans nos espaces départementaux des solidarités, on voit arriver des gens qui ne sont pas allocataires du RSA, mais qui ont d'autres allocations, par exemple, mais qui sont à la recherche d'emploi. Donc, c'est vrai qu'on a un partenariat... actif, j'allais dire, avec Pôle emploi pour les réorienter vers Pôle emploi, mais aussi, comme l'a souligné Agnès tout à l'heure, pour mettre en œuvre des actions volontaristes de notre collectivité qui remobilisent, c'est les actions du PSDI, qui remobilisent vers l'emploi, qui redonnent de la confiance en soi. Ah, bah alors ça, elle va vous expliquer. D'accord. Allons-y, alors, puis je finirai après sur. Oui, d'accord. Alors, on a effectivement ce qu'on appelle... Oui, d'accord. On a ce qu'on appelle dans notre jargon l'offre d'insertion. Ce sont donc 103 actions qui sont financées par le département, qui s'adressent à un public allocataire du RSA, mais pas exclusivement. Peuvent rentrer dans ces actions aussi des personnes qui sont suivies au titre de l'insertion sans être allocataire du RSA. Et à l'intérieur de ces 103 actions, le positionnement de la collectivité a été d'être vraiment sur tout ce qui lève les freins. Vous savez que dans la répartition autour du RSA, Pôle emploi est positionné sur la recherche d'emploi et le département est plutôt positionné sur ce qu'on appelle la levée des freins pour permettre le retour à l'emploi. Donc on a beaucoup développé d'actions qu'on appelle des actions de remobilisation, dynamisation. Donc pour répondre à votre question, madame, ce sont des actions qui durent entre 3 mois et 5 mois et qui sont des actions qui tricotent le projet professionnel avec tout ce qui est estime de soi, redynamisation, élaboration de projets, travail sur son image, sur sa prise de parole, sur sa confiance. Voilà. Donc on est beaucoup, l'offre d'insertion dans notre département est beaucoup sur ce champ-là. D'autres actions qui s'inscrivent dans un autre dispositif vont être de l'accompagnement au retour à l'emploi. Nous,
quand je dis nous, c'est, entendez bien, c'est l'insertion, on est en amont, on est vraiment dans tout ce qui va accompagner, préparer les personnes à retrouver un emploi. Donc beaucoup de travail sur l'image de soi, sur le coaching individuel, sur la reprise de confiance, sur aidez-moi les collègues peut-être. Ce sont des associations, donc Val-de-Marnaise, la plupart du temps, qui sont spécialisées dans l'insertion et qui répondent à des marchés publics que nous lançons, à des appels à projets, et qui vont faire des actions plus ou moins longues pour le public qui peut être inscrit à Pôle emploi, mais qui a besoin en amont, et là encore, ce ne sont pas tous les publics, bien évidemment, de nombreux allocataires du RSA sont inscrits à Pôle emploi et n'ont pas besoin de ces actions. Hein. On est bien d'accord. Ce n'est pas un passage obligé pour tous les allocataires du RSA ou pour tous les demandeurs d'emploi. Heureusement, Pôle emploi propose aussi toute une palette d'actions directes de retour à l'emploi. Mais nous sommes plutôt positionnés donc, sur les freins. Il y a soit pour les allocataires du RSA, on va dire, hein. La loi avait prévu deux types d'accompagnement, soit l'accompagnement social, soit l'accompagnement professionnel par Pôle emploi. Dans le Val-de-Marne, on a créé donc l'accompagnement social, on voit bien, c'est des gens qui ne sont pas prêts du retour à l'emploi, qui ont soit pas le souhait immédiat, soit pas de possibilité, des freins de tout type, hein. Ça peut être effectivement de santé, mais des choses qui... Quand on parle de logement et d'hébergement, moi je dis souvent, il y a des gens qui travaillent et qui malheureusement n'ont pas de logement et n'ont pas d'hébergement. Pour autant, ils travaillent. Donc le frein hébergement-logement, il n'est pas ipso facto une réalité, mais quelquefois ça l'est. Donc il y a des gens, effectivement, ils ne sont pas prêts à retourner à l'emploi, ils ont un accompagnement social seul. D'autres qui n'ont pas de problèmes sociaux, ils ont un accompagnement professionnel seul avec Pôle emploi. Nous avons créé aussi dans le Val-de-Marne un accompagnement mixte, c'est-à-dire qui fait à la fois du professionnel et du social. Alors, quelquefois, c'est de l'accompagnement global. En tout cas, on tend vers l'accompagnement global dont vous parlez, madame, avec Pôle emploi, avec lequel on a une convention. Mais ce n'est pas toujours de l'accompagnement global. Mais en tout cas, c'est de l'accompagnement mixte. Les gens vont à Pôle emploi, ils sont inscrits à Pôle emploi, ils sont dans la dynamique recherche d'emploi, mais ils ont aussi, ce que Agnès disait tout à l'heure, c'est-à-dire des freins sociaux qui ne les empêchent pas complètement de chercher un emploi et même d'en trouver, mais qu'il faut quand même lever. Voilà. Et dans ce registre-là, alors, je parle un peu des singularités Val-de-Marnaise, hein, je pense que c'est ce qui vous intéresse parce que le général, vous le connaissez quand même. Hein. Nous, on a mis en place aussi ce qu'on appelle un bilan d'accès au droit dans nos EDS. Donc on le met en place progressivement, c'est dans notre schéma d'action sociale. Un bilan d'accès au droit, c'est un petit questionnaire, j'allais dire, que les gens qui acceptent qu'on le fasse avec eux, c'est sur proposition et les gens acceptent ou pas, c'est fait soit par nos secrétaires, soit par nos assistants sociaux. On fait un petit balayage de où ils en sont, quels droits ils ont, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour avoir ces droits-là, enfin voilà. Un petit balayage comme ça. Et dans le même registre, on croit beaucoup, alors on a beaucoup parlé de l'action collective complémentaire à l'individuel, et ça, on y croit beaucoup. Et je fais juste une petite parenthèse pour dire que, bien évidemment, c'est favorable au public, mais c'est aussi favorable à nos professionnels. Le fait de l'action collective, ça permet à nos professionnels de voir les gens autrement. Une assistante sociale, quand elle reçoit les gens en face à face, j'allais dire, elle voit d'abord quelqu'un qui a plein de problèmes. Et pour faire jouer ce que j'appelais tout à l'heure la résilience, enfin voilà, c'est aussi quelqu'un qui a plein de capacités. Mais des fois, ce n'est pas d'emblée évident que cette personne a toutes ses capacités parce qu'elles sont un peu enfouies sous des tas de problèmes. Et donc, le collectif permet ça avec des pairs. C'est des fois plus facile qu'avec une assistante sociale. Qui peut être présente, mais il y a plus de pairs dans une action collective, c'est plus facile pour les gens de se dire « Tiens, mais c'est vrai, je ne suis pas tout seul. » Ils le savent qu'ils ne sont pas tout seuls. Le savoir et le vivre, ce n'est pas la même chose. Et je ne suis pas tout seul. Moi aussi, j'ai des capacités. Enfin, voilà. On a de très belles actions là-dessus. Agnès, aide-moi à retrouver comment ça s'appelle l'action que mène Pascal. Starter et Booster. Alors, il y a Starter et Booster, mais ce n'était pas à ça que je pensais. C'était quand on fait la présentation de la valise des talents. La valise des talents, merci.
On a une action qui s'appelle la valise des talents. C'est une action collective qui dure un petit moment, où on fait émerger pour chaque personne quel est son talent singulier. Des fois, c'est de la pâtisserie, de la couture, enfin, plein de choses différentes. Pas seulement des choses... Des fois, c'est des choses plus intellectuelles, enfin, de toutes sortes de choses. Et si un jour, vous avez l'occasion d'assister, moi, je l'ai fait une fois, franchement, ça vous fait monter les larmes aux yeux. Je ne le dis pas... C'est la présentation que les gens ont de leur capacité, de leur talent, c'est assez extraordinaire. Et souvent, ils sont allés les chercher loin, ces talents. Mais ils les avaient. Nous, on a fait juste que les faire remonter, quoi. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans l'action individuelle, on promeut beaucoup la rédaction ensemble du projet. C'est pareil, ça, c'est dans la conception, j'allais dire, de l'action sociale. Les gens peuvent avoir l'impression qu'en phase 2, ils ont une assistante sociale qui va un peu décider à leur place. Et le fait de rédiger un contrat d'engagement réciproque dans le cadre du CER, ou de rédiger un projet d'accompagnement ensemble, on le rédige ensemble et on se dit c'est quoi l'objectif à court terme pour vous et puis pour nous professionnels, et puis à moyen terme, et puis à long terme, puis on va le réviser, bien évidemment, on va réviser ses objectifs la prochaine fois qu'on va se voir. Mais en tout cas, comme un vrai partenariat. Et ça aussi, ça concourt à faire en sorte que les gens se sentent plus acteurs. Voilà. Peut-être dans la même idée, on a mis en place depuis 3 ans, ce qu'on appelle les groupes citoyens, qui sont donc les personnes qui sont présentes aujourd'hui autour de la table. Donc je crois que l'idée de la citoyenneté, elle a plusieurs registres. Elle s'inscrit bien sûr dans le cadre de notre charte de participation citoyenne, qui est globalement un engagement du département. Mais plus concrètement, c'était aussi de dire qu'en particulier les allocataires du RSA ont une expertise, ils ont une expérience, un usage, une expertise en tant qu'allocataires du RSA qui doit être partagée avec nous, qui sommes en charge de mettre en œuvre la politique d'insertion. Et voilà, la citoyenneté, elle consiste aujourd'hui, et on est en train de travailler ça les uns et les autres, elle consiste à ce que ensemble nous puissions aussi monter des actions. Et c'est peut-être le troisième point que je voulais développer sur notre offre d'insertion, c'est qu'on essaye de plus en plus que les actions que nous allons monter, les stages, soient réfléchis avec des personnes qui savent, eux, ce dont ils ont besoin. Donc voilà, par exemple, on a aujourd'hui 3-4 actions en Val-de-Marne qui ont été construites en amont avec des allocataires du RSA. Ce n'est pas l'administration toute seule, ce ne sont pas les travailleurs sociaux ou les cadres seuls qui construisent ces actions, mais on s'appuie sur l'expertise de demandeurs d'emploi, d'allocataires du RSA, pour ajuster le contenu de nos actions à leurs besoins. Alors ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement faire ce qui est proposé par les membres des groupes citoyens, mais en tout cas, on intègre dans notre construction de l'offre, on intègre l'expression des Val-de-Marnais, et ça c'est une démarche un peu nouvelle, parce que je pense que jusqu'à maintenant, on était plutôt dans l'expertise, c'est nous qui l'avons. Voilà, donc la place des groupes citoyens, elle est aussi de contribuer au montage de la politique d'insertion. Alors la loi sur le RSA l'avait prévu, le législateur avait prévu que des représentants des allocataires du RSA soient dans ce qu'on appelle les équipes pluridisciplinaires. Aujourd'hui, on a été au-delà en associant les allocataires du RSA à l'évaluation de notre et la construction de notre politique d'insertion. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais on a pris le chemin. Et c'est pas rien. Je vais juste faire un bref rappel de ce qu'est une structure d'insertion SIAE par l'activité économique. Donc il existe différents types de structures, les associations intermédiaires, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion et les ETTI. Il y a 4 niveaux et nous sommes chantiers d'insertion. Et donc le niveau du public accueilli est différent entre une association intermédiaire et une entreprise d'insertion.
Voilà, on n'accueille pas les mêmes publics. Voilà, donc notre mission est de... Nous avons un conventionnement avec l'État et avec des collectivités sur des nombres de postes. Et notre mission est de redonner un peu de cadre à des personnes qui sont très loin de l'emploi. Pour certaines, elles n'ont pas travaillé depuis 2 ou 3 ans, ou elles sont en manque de formation. Voilà, donc notre mission... Alors, on a un support, puisqu'on est par l'activité économique, donc on a un support qui, nous, à Valbio, est la logistique, c'est-à-dire que nous livrons des paniers de légumes bio en région parisienne, à Paris et en Île-de-France. Donc, c'est l'activité qui est support à l'insertion économique que nous pratiquons. Et depuis un an, nous avons créé une autre activité qui est le maraîchage bio, lui, qui est aussi un support qui est à Chennevières. Sinon, je n'ai pas précisé, nous sommes à Choisy. Nous, l'activité de livraison des paniers est à Choisy. Et depuis un an, nous avons créé une autre antenne, on va dire. C'est un autre chantier aussi, à Chennevières, près de Champigny, autour du maraîchage bio. Donc, d'ailleurs, c'est un projet qui est bien soutenu et très largement soutenu par le conseil départemental. Et nous accueillons aussi un public. Donc, dans les deux cas, ils ne vont pas se destiner ni à être maraîcher bio, ni à être chauffeur-livreur. Pour certains, oui, mais pas pour tous. C'est vraiment le support. Donc, à travers ce support, on redonne pour une partie du travail des codes d'entreprise, arriver à l'heure, travailler en équipe, se respecter, essayer de faire abstraction de problèmes personnels pour arriver sur le, à leur poste de travail ouvert vers les autres, quoi. Et puis d'un autre côté, il y a tout un accompagnement socio-professionnel et qui est conduit dès l'arrivée du salarié pour d'abord souvent régler quand même, avant de régler le retour vers l'emploi, de régler un certain nombre de problèmes sociaux que sont le logement, la santé, un manque de formation, Pour plusieurs d'entre nous, certains cumulent ces soucis-là. Donc le premier travail, les 6 premiers mois, ça va être vraiment d'essayer de travailler sur la partie sociale pour lever tous ces freins qui vont après permettre d'ouvrir un peu et d'aller sur un projet professionnel. Bon, des fois, ça se fait en même temps. Hein. Les cas sont... Les individus sont évidemment différents et on s'y prend différemment à chaque fois aussi. Voilà. Donc, on accueille... on a vu a choisi 35 personnes dans l'année. On est conventionné pour 18 postes. On a vu 35 personnes. Et sur les bords, une vingtaine de personnes. Donc, on est... des gens viennent. On a des agréments. On travaille avec ces personnes de public qu'on nous accueillons 2 ans maximum. Nous avons un agrément avec Pôle emploi. Et à l'intérieur de ces 2 ans, on avance par 6 mois. Et des contrats de droit commun de 6 mois que nous renouvelons après évaluation et entre nous et avec le salarié du parcours fait et des choses à faire. On essaie toujours de donner des objectifs et puis aussi de constater ce qui a été fait ou pas. Parce qu'il y a aussi des fois, on doit un petit peu relancer plus fort, puisque en 6 mois, personne arrive, s'installe et on vit juste d'être tranquille, d'arriver, travailler, de faire sa mission et de pas forcément de se projeter au-delà des 6 mois. Donc des fois, on laisse le temps aussi. C'est pour ça qu'on a 2 ans pour accomplir ce travail, qu'on essaie d'accomplir au mieux, mais qui n'est pas... Alors, que puis-je dire d'autre ? Je pourrais peut-être répondre aussi à des questions. En règle générale, ces personnes, quand ils sortent du chantier d'insertion, c'est pour aller sur une formation ? Emploi ou formation. Il y a des personnes, les personnes seniors, on ne les oriente pas vers des formations. D'abord, ils ne l'acceptent pas vraiment. On cherche l'emploi. Là, pour les seniors, c'est quand même très compliqué. Nous, c'est sûr que la sortie sur l'emploi est compliquée, et sur une formation, on l'évacue d'ailleurs, mais sur l'emploi, elle est assez compliquée. On a certaines fois quelques missions d'intérim, mais très peu.
Voilà. Sinon, les sorties sont évidemment emploi, voilà, emploi CDI, CDD ou formation qualifiante ou préqualifiante ou certifiante. C'est les sorties, voilà. Et là, certaines fois, on a des sorties sans rien, quoi, aussi. Hein, voilà, on a. Alors, on a différents. Entre des jeunes, nous accueillons un public, on se doit d'accueillir donc des jeunes, des travailleurs handicapés, des seniors et des femmes. Hein, on doit élargir. Donc là, le rendu compte que je vous fais ne se fait pas que sur un type de public. Hein, donc, on a des parcours différents. On a des gens qui ont ou des diplômes eus à l'étranger qui ne sont pas reconnus en France. On a aussi des gens sans formation, des gens qui viennent aussi, oui, de l'étranger direct. Enfin, voilà, qui sont pas... qui arrivent, qui n'ont pas travaillé en France non plus. Le public que nous accueillons en chantier, face à Mme Garnier pourra le confirmer, c'est un public qui est quand même assez loin de l'emploi. C'est pour ça. Alors, tout à l'heure, je vous citais les différents niveaux de l'insertion. Il y a donc, voilà, ils sont loin de l'emploi. Et voilà, on constate pour les seniors, mais bon, on l'a dit l'autre jour à des réunions avec la directe, pour nous, c'est compliqué. On nous demande d'accueillir un public senior, mais sur le marché du travail tel qu'il est, c'est quand même assez compliqué. Et tout en maintenant aussi pour eux un horizon, parce que sinon, si on leur dit... voilà, donc c'est autant pour les jeunes... C'est super compliqué, mais on se dit, voilà, on arrive quand même à trouver des formations. Et puis voilà, on retravaille sur le projet change pour les jeunes. Hein. Bon, ils veulent être chauffeurs-livreurs, et puis après, des fois, voilà, ils s'orientent vers autre chose. Voilà, mais les seniors, c'est pour nous, c'est très lourd. C'est très lourd. Donc, je suis Monsieur Cogan, je suis le responsable de ce qu'on appelle maintenant l'unité départementale de la direction régionale emploi, concurrence, consommation, travail et entreprise. Plus exactement, direction régionale, entreprise, concurrence, consommation, travail, emploi. Donc les directs ayant été créés en 2010 par le regroupement des différentes administrations que vous retrouvez dans le sigle que je viens d'indiquer. Donc unité départementale, donc nous sommes présents dans chacun des départements de notre pays. Et dans le Val-de-Marne, je suis à la tête d'une direction qui comprend, voilà, on va dire, à peu près 130 personnes. Et bien évidemment, à l'intérieur de ces 130 personnes, vous avez d'une part la dimension inspection du travail, donc les contrôleurs du travail et inspecteurs du travail qui se rendent dans les entreprises pour vérifier l'application des lois sociales, autrement dit du code du travail dans les entreprises. Vous avez là, c'est à peu près les deux tiers de mon unité départementale, un petit peu plus, autour de 70%. Et vous avez ensuite les services qui s'occupent de tout ce qui est emploi et développement économique. Et bien évidemment, une partie aussi qui est sur les fonctions support, logistique, qui permettent à l'UD de travailler au quotidien. Donc, quelques mots par rapport à votre problématique sur le positionnement d'une unité départementale. Il y a quelques années, je ne vous ferai pas l'affront de dire quand, les unités départementales qui à l'époque s'appelaient des directions départementales étaient au contact direct des structures qui intervenaient dans l'insertion des personnes, comme on dit correctement politique, des personnes éloignées ou très éloignées de l'emploi. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez sans doute des contrats emploi solidarité, etc. Bon, il y a eu différentes réformes sur lesquelles je passe, ce qui fait qu'aujourd'hui, les unités départementales ne sont plus au contact direct des différents employeurs de ces dispositifs, mais ce sont nos collègues de Pôle emploi qui, au jour d'aujourd'hui, dans des dispositifs qui ont changé de nom, vous avez entendu parler des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats initiative emploi, des emplois d'avenir, ce sont nos collègues de Pôle emploi et concernant les emplois d'avenir, nos collègues des missions locales qui ont en charge de mettre en œuvre ces,
ces dispositifs et qui donc sont au contact des employeurs potentiels, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises, bon, et selon des dispositifs notamment de soutien financier aux employeurs. Ces dispositifs sont des dispositifs ciblés. C'est-à-dire que l'objectif, quand on parle contrat accompagnement dans l'emploi, quand on parle CIE, quand on parle emploi d'avenir, ou comme ce matin, je sais que vous avez reçu une structure d'insertion par l'activité économique Valbio, qui sont des structures que nous soutenons aussi financièrement, nous sommes sur des dispositifs ciblés à destination des publics, comme je l'ai indiqué, les plus éloignés de l'emploi. Donc, quand on dit les plus éloignés de l'emploi, on parle... pour des commodités, je dirais, administratives, des statuts des personnes, c'est-à-dire soit elles sont travailleurs handicapés, soit elles sont chômeurs de longue durée, soit ce sont des jeunes de moins de 26 ans, etc. C'est-à-dire que c'est des caractéristiques, on va dire, administratives. Bien évidemment, dans les faits, ces caractéristiques administratives se croisent avec des réalités sociales de ces personnes-là. Quand on parle chômeur de longue durée, ben là-dedans, on a, vous le savez aussi bien que moi, des personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an, mais des personnes qui sont aussi au chômage depuis plus de 2 ans, 3 ans. Et là-dedans, vous avez aussi, dans ces catégories, des croisements suivant l'âge. Et on sait que les personnes qui sont chômeurs de longue durée, vous avez un pourcentage qui sont des anciens salariés de plus de 50 ans, et donc qui accumulent, si j'ose dire, des difficultés liés à leur ancienneté dans le chômage et à leur âge pour retrouver un emploi. Mais là, je laisserai les collègues de Pôle emploi en dire davantage sur ces aspects-là. Donc, ce sur quoi je voulais attirer votre attention concernant le rôle d'une idée, c'est que, en fait, nous pilotons les dispositifs que les acteurs que je viens de nommer mettent en place. Alors, nous les pilotons de différentes manières. C'est que du niveau national, descendent au niveau régional et ensuite au niveau départemental, des objectifs quantitatifs de réalisation de contrats à destination donc des personnes dont je viens de parler. Et donc après des discussions, des négociations entre le niveau national, régional et ensuite dans une région entre le niveau régional et le niveau départemental, sont établis des objectifs pour chacun des départements, qui sont des objectifs, je dirais, indicatifs, mais un peu plus qu'indicatifs. Je veux dire par là qu'on est sur une approche régionale dans l'appréciation des atteintes d'objectifs, et que si un département, sur une mesure, sur un dispositif, va au-delà de ses objectifs, il va au-delà de ses objectifs. On n'arrête pas la dynamique positive. Donc, juste quelques chiffres pour vous situer sur ce département. En 2015, au total, entre les différents contrats que je vous ai indiqués, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'initiative emploi et emploi d'avenir, on est à retenir l'ordre de grandeur de 6400 bénéficiaires sur un an dans ce département. Je parle bien des bénéficiaires, autrement dit des personnes qui, au cours de l'année 2015, ont signé un contrat tel que je viens de les indiquer. Comme ces contrats ont des durées variables, CAE, on est aux alentours d'un an maintenant, pas tout à fait, 11 mois et quelques semaines. On est sur 12 mois. Les emplois d'avenir, on est sur des contrats à durée déterminée d'un an renouvelable 2 fois ou sur des contrats de 3 ans d'entrée de jeu. Et ces mêmes contrats, lorsque ce sont des entreprises qui les recrutent, on constate que de fait, la plupart du temps, ce sont des contrats à durée indéterminée. Tout ça pour vous dire que là, je vous parle du nombre de bénéficiaires de ces contrats dans un an, mais que bien évidemment, excusez-moi d'employer un terme statistique un peu barbare, en stock, c'est-à-dire le nombre de bénéficiaires cumulés, bien évidemment, est supérieur au nombre que je viens de vous indiquer, compte tenu que ces contrats sont signés en cours d'année et que leur durée est plus ou moins longue. Ils dépassent, pour un certain nombre d'entre eux, l'année. Donc, retenez 6400 bénéficiaires, et parmi au total ces contrats, vous avez à peu près 48-49% qui sont des chômeurs de longue durée. Et parmi ceux-là, vous en avez à peu près la moitié qui sont des chômeurs de très longue durée.
Là, je vous parle tout dispositif confondu. Tout ça pour vous montrer que les cibles sont respectées. Et on peut aussi vous donner d'autres chiffres concernant d'autres populations. Un autre dispositif dont je souhaiterais vous donner quelques indications. Donc, je vous ai parlé de Valbio, que vous avez rencontré ce matin, structure d'insertion par l'activité économique. Sur ce département, vous avez 39 structures d'insertion par l'activité économique. Vous avez 20 ateliers chantiers d'insertion, comme Valbio, les chantiers type Valbio que vous avez donc rencontré. 11 entreprises d'insertion. 5 associations intermédiaires et 2 entreprises de travail temporaire d'insertion. Sur une année, c'est à peu près 2000 personnes qui sont amenées à passer dans ces structures, sachant que les personnes dont nous parlons dans ces structures, schématiquement, sont des personnes qui ont, on va dire, eu des accidents de la vie divers et variés, et pour lesquels l'objectif n'est pas de leur faire acquérir une nouvelle qualification au sens reconnu du terme, mais de leur permettre d'avoir une resocialisation et d'acquérir des compétences techniques qui leur permettent effectivement de pouvoir postuler sur des emplois qui sont au niveau qu'ils ont acquis. Si parmi ces personnes, il y a effectivement des personnes qui ont un potentiel pour rentrer dans un cursus de formation, soit qualifiant, soit certifiant, bien évidemment, on essaye de faire en sorte que. Mais c'est loin d'être la majorité. Quelques indications pour ces personnes-là. 82% de ces salariés sont de niveau 5 ou infra 5. 82%. Pendant à peu près 40% sont des résidents dans ce qu'on appelle le quartier politique de la ville, bon, issu de la réforme politique de la ville que vous connaissez. Et nous avons aussi 73% de ces salariés sont des chômeurs de longue durée. Et parmi ceux-ci, 41% sont des chômeurs de plus de 2 ans. Donc là aussi, un respect de la cible. Ce qui fait que on est au jour d'aujourd'hui sur des dispositifs qui sont ceux que je viens de vous indiquer, qui sont bien ciblés sur les cibles officielles telles que les textes les prévoient. Dans ce département, il va y avoir bientôt un nouveau dispositif dont vous avez sans doute entendu parler, qui va être mis en œuvre au cours du second semestre. C'est la garantie jeune. La garantie jeune est un dispositif qui est à destination des jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni au travail par définition. N2ET en anglais. Autrement dit, des jeunes qui sont, allez, passez-moi l'expression, la plupart du temps en galère, comme on dit, et qui ont tendance à passer à travers les mailles du filet des différents dispositifs qui ont pu être mis en œuvre au cours des différentes années. L'idée, là, dans ce dispositif, c'est de pouvoir travailler de manière très rapprochée, très, très renforcée avec ces jeunes, pour les amener effectivement à travailler sur l'accès à l'emploi, sur leur parcours, mais aussi bien évidemment avant tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie et sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'ils voudraient faire et de quoi seraient-ils capables, et donc avec des actions qui sont beaucoup plus fortes que ce que peut être fait pour d'autres jeunes. Et vous avez par exemple dans ce type de jeunes, vous avez aussi des jeunes sortant de prison par exemple, et ça un travail à faire en lien avec protection judiciaire de la jeunesse. C'est un dispositif qui est déjà en place dans d'autres départements de l'Île-de-France, et vous avez 3 missions locales sur 11 qui vont rentrer dans ce dispositif au cours du second semestre. Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais vous dire sur la manière dont nous, unité départementale, nous intervenons, sachant que bien évidemment, derrière, quand je dis piloter, c'est à la fois un travail qui consiste pour certaines structures, comme les structures d'insertion par l'activité économique, les missions locales, de les financer. Donc, bien évidemment, dès lors que l'État finance,
il s'inquiète et il suit et il vérifie l'efficacité du travail qui est fait en tenant compte des éléments de contexte et des éléments particuliers qui peuvent exister dans le territoire sur lesquels interviennent ces structures. Insertion par activité économique, mais aussi mission locale. Et nous sommes amenés à discuter avec elle à travers ce qu'on appelle un dispositif de dialogue de gestion pour à la fois vérifier leur efficacité, leur efficience aussi, puisque nous sommes sur des financements et concernant ces deux types de structures, sur des cofinancements, puisque sur les structures d'insertion par activité économique, le conseil départemental intervient. Et sur les missions locales, vous avez un cofinancement avec les conseils régionaux et avec les collectivités locales qui estiment pouvoir le faire ou devoir ou vouloir le faire. Concernant les autres dispositifs dont je vous ai parlé, notamment les contrats, nous n'avons pas de fonction de financement, puisque quand le contrat est signé par Pôle emploi ou les missions locales, il y a un dispositif administratif qui remonte vers l'agence des services, l'ASP, anciennement le CNASEA, et qui, selon un processus administratif que je ne vais pas vous décrire, finance directement les employeurs des personnes qui bénéficient des contrats aidés. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur les fonctions d'une unité départementale comme la mienne sur ces dispositifs. Dans ce département, l'État dépense plus de 3 millions d'euros pour les missions locales. À cela s'ajoutent différents financements qui sont des financements soit liés à des dispositifs tels que le CIVIS que les missions locales mettent en œuvre, qui s'adressent, je n'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas vous faire un catalogue à la Prévert, mais qui s'adressent à des jeunes très peu qualifiés, c'est-à-dire des jeunes effectivement de niveau 5 et infra-5. Et qui sera remplacé par l'apprenti-jeune. Qui sera sur le long terme effectivement remplacé par la loi de la semaine prochaine en mars. J'entends bien, mais vous savez comme moi qu'entre le vote de la loi et la déclinaison opérationnelle, il y a aussi quelques semaines, voire quelques mois. Donc tout ça pour dire qu'il y a des moyens qui sont mis sur la table, et quand vous pointez du doigt le fait que le CIVIS va être remplacé par la garantie jeune, c'est bien qu'à un moment donné sont pris en compte des problématiques qui tentent à démontrer qu'il faut améliorer le système. L'État retire aussi, à travers les différentes études qui sont faites, des leçons de la manière dont les dispositifs sont déclinés, et le fait qu'à un moment donné, le dispositif peut atteindre, on va dire, le niveau où on sent qu'il n'y a plus de valeur ajoutée par rapport à, et qu'il convient effectivement de se reposer des questions, parce qu'au cours des années, les situations ont pu évoluer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois, moi, beaucoup, à la nécessité d'avoir du travail plus collaboratif, plus croisé, plus partenarial entre les différentes structures qui interviennent sur ces champs. Ça me paraît fondamental, parce que sinon, on travaille effectivement en tuyau d'orgue. D'où l'importance, que ce soit pour une mission locale ou pour les collègues de Pôle emploi, mais ils en parleront mieux que moi, d'avoir un réseau sur le terrain de partenaires avec lesquels ils peuvent effectivement travailler de façon, je dirais, générale, enfin un peu systématique ou systémique, mais aussi avec des partenaires qui sont en capacité, par rapport à des situations particulières, d'accepter de travailler plus particulièrement en tenant compte de la situation ou des particularités de la personne sur lesquelles il est question d'intervenir pour lui permettre de retrouver un travail. Donc ça, moi, je crois beaucoup à ce travail-là, et c'est aussi la nécessité que sur un territoire, les différents acteurs qui interviennent, que ce soit les associations, les institutionnels, aient des lieux de rencontre, des moments où ils travaillent sur la situation des personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, sans doute vis-à-vis des entreprises qui sont amenées à prendre des engagements,
à être plus regardant et travailler au plus près avec ces entreprises. Parce que, bon, voilà, si je suis un peu direct, on est sur la photo, mais une fois qu'on est sur la photo, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'effectivement les engagements puissent se décliner. Et c'est là où il y a ce travail de proximité et qui doit être sans doute approfondi. Et puis une troisième piste, c'est que je pense qu'il faut aussi qu'on y ait une certaine stabilité dans les dispositifs. Bon, alors, évidemment, c'est contradictoire avec ce que je viens de vous dire sur le civisme qui passe en garantie jeune. Mais en même temps, ça prouve qu'il faut se mettre d'accord sur la stabilité, mais sur la durée de la stabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que il y avait une critique qu'on entend encore beaucoup à certains moments de la vie politique de ce pays, à savoir que tout ça change très souvent, qu'on a du mal à s'y retrouver, qu'il y a plein de dispositifs qui vont et viennent. Bon, il y a quand même une certaine stabilité sur les dispositifs dont je viens de vous parler depuis maintenant plusieurs années, voire 10 ans. Donc ça c'est important. Enfin, le dernier point, bon, c'est effectivement, tout le monde l'a en tête, c'est les moyens qui peuvent être mis en œuvre. Mais vous avez bien compris dans la manière dont je vous présente les choses que pour moi, les moyens ne sont pas le premier et la seule garantie qu'effectivement ça va être efficace. Le sujet, c'est qu'effectivement l'argent soit effectivement bien employé. Et puis, quand on rentre un peu dans le détail des différents dispositifs, vous avez parlé des missions locales. Je crois que les missions locales, il faut qu'elles travaillent le plus en amont ce qui est en train de rentrer dans les mœurs avec l'éducation nationale. C'est les plateformes décrocheurs qui nécessitent effectivement qu'il y ait cette rencontre et ce travail en amont. Autrement dit, quand dans les établissements scolaires, il apparaît qu'effectivement tel ou tel jeune est en train de lâcher prise, qu'on n'attende pas qu'il ait lâché prise pour qu'effectivement, je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais dire qu'on n'attende pas de lâcher prise pour ensuite lui dire voilà, l'adresse de la mission locale ou de l'emploi, c'est celle-là. Il faut qu'en amont, il y ait un travail plus anticipateur, pour faire intervenir qui de droit sur la question. Et ça me paraît assez important. Et ce qui est aussi important, c'est de faire ce même travail sur les possibilités que peuvent avoir les entreprises sur leurs besoins en personnel. Quand je dis les besoins en personnel, c'est en ayant une approche compétence sur les besoins qu'ils ont. Parce que si on rentre sur uniquement l'aspect qualification, diplôme, pas diplôme, etc., bon, on aime beaucoup ça en France et c'est important, toutes les statistiques, toutes les études prouvent que plus on est diplômé et moins on reste longtemps au chômage ou plus rapidement on trouve un emploi. Néanmoins, il y a aussi la possibilité, et je crois que c'est vraiment aujourd'hui là-dessus que le collègue de Pôle emploi et Mission locale travaillent, c'est cette approche compétence. Et pas que ce soit un vieux, un jeune, un noir, un blanc, voilà, c'est les compétences, c'est ça qui importe, et c'est pas une démarche non plus, une approche qui est forcément partagée par tous les acteurs, et notamment par les recruteurs dans les entreprises. Enfin, dernier point, je dirais qu'il y a du côté sans doute des PME, des TPE, une montée en compétences aussi sur les questions de ressources humaines et d'analyse des compétences dont ils ont besoin. Voilà, c'est un peu général ce que je vous dis, mais ce que je crois, et ça serait si on avait découvert effectivement l'outil unique, je crois qu'il y a différents outils, différents processus et différents dispositifs qu'il faut faire travailler ensemble. Et donc des acteurs qui doivent travailler ensemble pour, au cas par cas, si j'ose dire, être le plus efficace et se faisant le plus efficient. Territoire de proximité. Ah, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas vous dire c'est le département, c'est la commune, c'est le bassin de vie, c'est le bassin d'emploi, c'est la zone d'emploi. Si vous avez déjà vu dans ce que je viens de vous dire, j'ai déjà dessiné des territoires très divers et très, très variés. Donc je pense que ce qui est le bon niveau, c'est celui qui permet effectivement de pouvoir construire des partenariats
dans la zone, dans l'aire d'influence où, bon, les commerçants disent l'aire de chalandise, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, en tout cas, la zone, et ce qui nécessite effectivement, sans doute avant tout aussi, de se mettre d'accord sur des différents acteurs, sur les caractéristiques d'une zone qui permet, par son écosystème de partenariat, d'être la plus efficace. Et ça, je dirais que c'est pas seulement la cartographie avec où sont les entreprises, où sont les CFA, où sont les centres de formation, où sont les agences de Pôle emploi, où sont les UD, etc., qui le déterminent. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, mais il faut croiser ça avec le potentiel réel qu'il y a dans ces territoires, et autrement dit la dynamique associative, la dynamique des entreprises, les secteurs professionnels sur lesquels se trouvent les entreprises, de façon à pouvoir au-delà de la photographie statique, apprécier les dynamiques qui peuvent être mises à l'œuvre ou qui peuvent être boostées dans le territoire. Et puis quand je dis la proximité, d'expérience, les relations interpersonnelles entre les différents acteurs est fondamentale. Un conseiller Pôle emploi qui travaille bien avec un conseiller de mission locale ou qui travaille bien avec un recruteur dans une entreprise et vice-versa, ça va faciliter et ça facilite le travail. Parce que c'est un rapport de confiance qui s'instaure, c'est à un moment donné, des relations qui font qu'on reste effectivement dans le cadre, mais qui en même temps permettent de prendre en compte des particularités qui font que on va là essayer de trouver une solution, même si on aborde un peu la frontière. Quoi. Bon, voilà. Alors qui pour piloter vous connaissez l'adage, hein. Qui paye, etc. Mais je crois que c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est pas celui qui finance qui doit avoir, les pleins pouvoirs sur. C'est nécessairement, quand on est dans du partenariat, il y a les financeurs qui doivent effectivement, au regard de leur propre logique, de leur propre dynamique, être en capacité de dire un certain nombre de choses, mais ils doivent être aussi en capacité, c'est pour ça que je vous parlais de dialogue de gestion et de contact, être en capacité d'entendre, d'écouter, pour, dans le cadre des financements, pouvoir tenir compte d'un certain nombre de réalités. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir, à un moment donné, des instances qui soient des lieux où il y a ces échanges et qui soient des lieux de prise de décision. Et là, je dirais que c'est en fonction des niveaux de financement, mais aussi des niveaux d'efficacité, qu'il faut positionner les instances de décision. Le pilotage, c'est un exercice délicat dans la mesure où si vous êtes simplement sur la dimension financière, vous n'allez pas suffisamment au cœur du sujet. Il faut aller sur ce que j'ai indiqué, efficacité, efficience, et à un moment donné faire des choix. Parce qu'il y a nécessité de privilégier telle ou telle orientation, ou à un moment donné privilégier tel axe de travail plutôt que tel autre. Bonjour à tous, donc Olivia Tripier, directrice du Pôle emploi de Choisy-le-Roi. Donc j'interviens au nom du Pôle emploi, mais je vais vous donner des éléments qui sont des éléments de résultats du Pôle emploi de Choisy-le-Roi. Et du coup, pour compléter votre réponse, je pense aussi qu'il est important de pouvoir, au-delà d'évaluer les résultats des actions, communiquer. Parce que, en effet, quand vous dites que un jeune, parce que vous citiez l'exemple des jeunes, ne va pas aller, ou en tout cas va mettre un certain temps avant de passer une porte d'une mission locale ou d'un pôle emploi, en connaissant les résultats des actions qui sont mises en œuvre, il passerait certainement moins de temps à attendre et il aurait certainement beaucoup plus conscience de ce qui peut être fait pour lui dans un certain nombre de structures, missions locales, pôle emploi ou autres.
Donc c'est le principal objet de notre intervention. On va vous apporter des éléments de résultats d'un certain nombre d'actions qui sont menées par Pôle emploi et donc deux Pôle emploi locaux. Un qui est pour le mien sur le territoire de Choisy-le-Roi. Donc c'est un territoire qui est étendu à 6 communes. La commune de Choisy-le-Roi, bien évidemment. Mais il y a aussi la commune d'Orly, de Thiers, de Rungis, de Villeneuve-le-Roi, d'Ablon. Donc il y a 6 communes qui sont rattachées à ce pôle emploi. Et par rapport aux communes dont je vous ai parlé, vous avez forcément en tête des spécificités liées à la demande d'emploi, mais aussi liées au secteur économique et aux zones d'emploi. Parce que forcément, quand on parle des villes de Thiers, de Rungis, d'Orly, on a immédiatement en tête l'aéroport, on a immédiatement en tête le mine de Rungis, on a le parc ICAD, on a des centres commerciaux. Donc on a la chance d'être sur un territoire avec une dynamique économique qui est importante et qui, pour un certain nombre de métiers, peut répondre aux spécificités de la demande d'emploi. Donc ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que je pense que la proximité est forcément différente, elle s'entend différemment déjà en Île-de-France et en province, et selon les zones dans lesquelles on se trouve et du dynamisme des zones, on a forcément un regard différent parce que des opportunités différentes. Donc je vais déjà vous donner des éléments liés très clairement à la demande d'emploi et au nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits. Sur le département, les données que je vais vous donner sont du mois d'août 2015. Donc sur le département du Val-de-Marne, il y avait, toutes catégories confondues, 115 749 demandeurs d'emploi inscrits. Et en catégorie A, donc qui n'ont déclaré aucune activité le mois précédent, il y en avait 76 991. Sur le pôle emploi de Choisy-le-Roi, toutes catégories confondues sur la même période, il y en avait 10 338. Et pour la catégorie A, c'est-à-dire n'ayant pas travaillé, 7 503. Donc par rapport au département, l'agence de Choisy-le-Roi, en termes de demande d'emploi, représente entre 9 et 9,7% de la demande d'emploi du département. Je vais intervenir sur trois axes et je vous disais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous apporter des résultats, la mesure des actions qui sont menées sur trois champs différents, mais qui sont forcément liés puisque l'objectif, c'est bien le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Donc des axes sur la demande d'emploi, un axe sur le travail avec les entreprises et un axe qu'on a évoqué longuement précédemment qui est sur le partenariat. Donc, pour vous donner des exemples de partenariats tels qu'ils peuvent être menés localement. Sur la partie résultats sur la demande d'emploi, on va intervenir à deux voies, puisque moi je vais vous donner des résultats sur l'accompagnement intensif renforcé que l'on met en place depuis maintenant bientôt 3 ans. Depuis bien plus longtemps que 3 ans. Sous la focale accompagnement renforcé depuis 3 ans, mais vous savez que le Pôle emploi le mettait en œuvre, notamment depuis l'ouverture du marché aux opérateurs privés de placement. Donc Pôle emploi a toujours continué l'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi, et notamment aussi pour une évaluation des résultats, aussi bien de Pôle emploi que des opérateurs privés de placement, ces résultats étant régulièrement diffusés dans la presse. Donc une focale sur cet accompagnement renforcé, une focale sur l'accompagnement intensif des jeunes, une focale sur un thème qui a été aussi abordé, l'insertion par l'activité économique, puisque le Pôle emploi de Choisy-le-Roi est référent pour une partie du département sur l'insertion par l'activité économique. Et puis ma collègue, Madame Jacob, interviendra sur un premier bilan sur l'accompagnement global, qui est mis en place en partenariat entre les conseils départementaux et les pôles emploi, et puis sur l'accompagnement des licenciés économiques, dispositif CSP. Donc ça, c'est sur la partie demande d'emploi. Donc, je vais vous donner des chiffres, ce qui vous permettra de voir l'impact et l'intérêt des dispositifs qui sont menés. Alors, dans un premier temps, pour parler de l'accompagnement intensif jeune. Donc un certain nombre de pôles emploi sont amenés à avoir un ou deux conseillers qui sont exclusivement, qui ont un travail exclusif sur l'accompagnement
de 70 demandeurs d'emploi qui ont moins de 26 ans et qui sont sur l'axe recherche d'emploi. Parce que vous savez qu'au Pôle emploi, on travaille évidemment aussi bien sur l'axe recherche d'emploi que sur l'axe projet. Là, on est bien sur l'axe recherche d'emploi. Sur le Pôle emploi de Choisy-le-Roi, nous avons deux conseillers qui ont ce type de portefeuille. Donc, on a en moyenne, en permanence, entre 120 et 140 jeunes de moins de 26 ans qui sont accompagnés par ces deux conseillers et qui ont vraiment 100% de leur temps sur l'accompagnement de ces personnes-là. C'est un accompagnement qui dure 6 mois, donc il ne peut pas être renouvelé. Par contre, une fois que la personne a retrouvé un emploi, le conseiller peut accompagner pendant les premières semaines du contrat sur le retour à l'emploi et l'intégration dans l'entreprise. Donc je vais vous donner des résultats en cumul sur les 10 premiers mois de mise en œuvre de cet accompagnement intensif, puisqu'il a commencé au mois de septembre de l'année 2014. Donc l'agence de Choisy-le-Roi, il y avait eu l'intégration de 235 jeunes dans ce dispositif. Et on a pu mesurer, on est à 51% de reprise d'emploi. Donc là, on est vraiment sur une mesure dans le cadre de la durée de l'accompagnement qui est de maximum 6 mois et à certains moments, fort heureusement, de moins de 6 mois puisque retour à l'emploi avant. Donc quand je vous parle de retour à l'emploi, on est sur des CDI, des CDD supérieurs à 6 mois et aussi des CDD, ou des contrats de travail temporaire de moins de 6 mois. La répartition, malgré tout, est assez équivalente puisque sur le total des sorties, on a 24% des personnes qui ont retrouvé un emploi de plus de 6 mois ou un CDI. Donc un quart des personnes retrouvent en moins de 6 mois soit un CDI, soit un CDD de plus de 6 mois. Et on a quelques personnes, même si on est vraiment sur l'axe recherche d'emploi, on a malgré tout 3% de personnes qui sont orientées vers une formation parce qu'on peut rentrer avec un axe vraiment recherche d'emploi. Et puis, au fur et à mesure du travail mené avec le conseiller, on peut avoir une focale qui est faite sur la nécessité d'entrer en formation. On peut avoir aussi des formations qui sont qualifiantes, professionnalisantes et qui sont parfois très courtes. On a notamment des certifications qui peuvent s'obtenir très rapidement et permettre un retour rapide à l'emploi. Donc ça, c'est sur l'accompagnement intensif jeune. Sur l'accompagnement renforcé. Donc c'est le même principe, on a des conseillers qui ont un portefeuille de 70 demandeurs d'emploi. Donc vous le voyez, à chaque fois on est sur des portefeuilles qui sont d'un niveau peu important et qui permet justement un suivi individuel de qualité et adapté aux demandeurs d'emploi. L'idée, c'est pas du tout d'être sur un principe systémique comme on avait pu l'avoir dans le suivi mensuel personnalisé. On est vraiment sur le contact au moment où c'est nécessaire et sur le mode de contact qui est nécessaire. Donc on développe forcément les relations en entretien physique, que ce soit individuel ou que ce soit collectif, et on développe aussi les modalités de contact téléphonique ou échange par mail, et à la régularité qui est nécessaire. À certains moments, il va falloir un contact toutes les semaines, à d'autres moments, un contact au bout de 2 mois sera nécessaire uniquement parce que le travail qui est demandé aux demandeurs d'emploi est suffisamment important pour qu'il n'y ait pas de contact pendant 2 mois. C'est vraiment un partage entre le demandeur d'emploi et le conseiller. Donc là, on est sur des retours à l'emploi. Alors, la seule spécificité, c'est que sur l'accompagnement renforcé, on n'est pas limité dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien accompagner une personne pendant 12 mois si en effet il s'avère qu'il est nécessaire qu'on puisse l'accompagner pendant 12 mois. On a des retours à l'emploi qui sont à peu près équivalents, c'est-à-dire qu'on a 55% des personnes qui ont retrouvé un emploi, soit en CDI, CDD de plus de 6 mois, soit en CDD de moins de 6 mois ou en contrat de travail temporaire. Et là, on est vraiment moitié-moitié, c'est-à-dire 27% CDI, CDD de plus de 6 mois et 28% pour des CDD de moins de 6 mois ou des contrats de travail temporaire. Donc ça, ce sont vraiment des résultats qui sont extrêmement encourageants. Et là, par contre, on a une proportion un petit peu plus importante sur la partie entrée en formation. On a, mais qui reste malgré tout peu importante, puisqu'on est bien sur le travail, sur le retour à l'emploi, on est à 6,5% de personnes orientées sur une formation. Voilà. Donc on est sur des résultats
globalement similaire. Je voulais faire aussi une focale sur l'insertion par l'activité économique. Donc, vous avez rencontré la structure Valbio ce matin. C'est une structure qui travaille avec le Pôle emploi de Choisy-le-Roi puisqu'elle est positionnée sur son territoire. On gère maintenant l'activité insertion par l'activité économique depuis de nombreuses années. Et on a fait le choix, une fois par an, de mettre en place un job dating spécifique pour les recrutements avec les structures d'insertion par l'activité économique qui s'adressent aux personnes qui ont été identifiées comme étant éligibles à intégrer un dispositif d'insertion par l'activité économique. Donc je voulais faire un petit retour avec vous puisque celui qu'on a eu le dernier a eu lieu au mois d'octobre, le 13 octobre 2015. Donc on avait 10 structures d'insertion par l'activité qui étaient présentes. On a invité 190 personnes, donc je vous dis bien invité parce que évidemment on identifie les personnes qui sont éligibles à l'insertion par l'activité économique et qui ont une capacité à intégrer les postes en rapport avec les postes disponibles pour les structures. À partir du moment où on fait des événements entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, l'objectif c'est vraiment de cibler et que les entretiens puissent avoir une vraie valeur ajoutée pour le demandeur d'emploi et l'entreprise. Donc il est extrêmement important de bien être au clair sur les prérequis et les besoins de l'entreprise et sur les aptitudes et les compétences des demandeurs d'emploi. Donc sur les 190 personnes qui étaient invitées, 94 se sont présentées. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu 178 entretiens qui ont été réalisés entre les structures et les demandeurs d'emploi. Donc chaque candidat a rencontré en moyenne entre 1 et 4 employeurs. C'est extrêmement important puisqu'on est sur des populations qui sont particulièrement vulnérables, qui ont un éloignement particulièrement important avec l'entreprise et qui ont là la possibilité de pouvoir rencontrer plusieurs structures et de mener des entretiens. La moitié des entretiens qui ont été réalisés ont donné lieu à un deuxième contact avec l'employeur. Donc ça veut dire qu'en plus, ça permet des entretiens de deuxième niveau. Et dans le même temps, en filigrane de ce job dating, on organise des ateliers 5 minutes pour convaincre qui sont proposés à toutes les personnes qui arrivent de façon à ce qu'elles aient un débrief avec des conseillers qui leur donnent vraiment les éléments clés à mettre en avant en préalable de l'entretien pour rapidement attirer l'attention de l'entreprise qui recrute. Donc on a 36 candidats qui ont accepté de participer à ces entretiens. Il est intéressant de noter qu'on a 100% des entreprises qui sont satisfaites de cette organisation. C'est la troisième fois qu'on l'organise, donc une fois par an. Et 84% des demandeurs d'emploi sont tout à fait satisfaits de ce job dating et de la possibilité de rencontrer en direct des entreprises qui recrutent des personnes qui ont la nécessité d'intégrer un dispositif d'insertion. Donc voilà sur la partie accompagnement renforcé, accompagnement intensif jeune et insertion par l'activité économique. Donc je laisse la parole à ma collègue. Donc bonjour à tous, Lamia Jacob, donc directrice de l'agence de services spécialisés. Donc on se situe à Choisy-le-Roi. Alors pourquoi agence de services spécialisés? Entre autres, nous avons la vocation donc à suivre des personnes licenciées économiques. Et ces personnes sont donc en ce qu'on appelle en CSP, en contrat de sécurisation professionnelle. Donc dans un premier temps, du coup, je vais vous décrire un petit peu cet accompagnement et vous donner quelques chiffres, on va dire. Et je vous parlerai dans un deuxième temps de l'accompagnement global sur le Val-de-Marne, puisque... entre autres, alors ce n'est pas spécifique à la 2S, mais donc j'ai été nommée par la direction donc départementale de Pôle emploi sur la mise en place de l'accompagnement global dans le Val-de-Marne. Donc je travaille en étroite collaboration avec le conseil départemental ici présent. Alors, dans un premier temps, pour vous dire aussi, donc la 2S de Choisy-le-Roi a pour territoire, on va dire, le Val-de-Marne Ouest. Il y a deux agences de services spécialisées dans le Val-de-Marne. Il y en a une autre à Maison-Alfort. Et celle de Choisy-le-Roi, donc, s'occupe de tout le territoire Ouest. Et c'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, de Choisy-le-Roi à Cachan. Donc on a toutes ces personnes, les personnes concernées, donc, que l'on suit.
Alors, qu'est-ce que le CSP, ce contrat de sécurisation professionnelle ? Donc déjà, le déploiement donc, du CSP, de la responsabilité conjointe hein, donc, des partenaires sociaux et de l'État. Et donc, la mise en œuvre est assurée par Pôle emploi. C'est un dispositif qui se déroule sur 12 mois. Et donc, ce que l'on prévoit pour les salariés qui sont visés par une procédure de licenciement économique, c'est une allocation spécifique, une allocation de sécurisation professionnelle, et l'organisation et le déroulement d'un parcours, justement, de retour à l'emploi rapide, qui peut comprendre des prestations d'accompagnement, de l'ordre de la recherche d'emploi, de l'orientation, des périodes de formation et des périodes de travail. Et donc, alors, qui peut bénéficier donc de ce fameux dispositif ? Alors déjà, il faut avoir travaillé dans une entreprise de moins de 1000 salariés ou bien être issu d'une entreprise qui est en redressement ou liquidation judiciaire. Donc là, il n'y a pas de condition d'effectif. Évidemment, faire l'objet d'une procédure de licenciement économique, de justifier au moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise en question, être apte à l'exercice d'un emploi, ne pas avoir atteint l'âge légal de la retraite, résider en France et donc ne pas être bénéficiaire du complément de libre choix d'activité de la PAJE, puisque, donc, bien sûr, il faut être disponible pour la recherche d'un emploi. La prestation débute par un premier entretien qui est l'entretien de pré-bilan et qui se fait entre le bénéficiaire et le référent donc, qui est chargé de son accompagnement. En général, ce rendez-vous intervient dans les 8 jours après la signature du CSP. À 4 mois, il y a un bilan d'étape qui est fait. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que la personne n'ait pas été vue entre-temps par son conseiller référent. Au contraire, c'est un suivi justement très régulier qui peut aller jusqu'à un contact hebdomadaire. Donc c'est assez régulier. Et le point d'étape, justement, pour éventuellement voir s'il y a des ajustements nécessaires ou pas. Alors, tout est mis en œuvre hein, pour les personnes qui sont suivies, à savoir donc les faire bénéficier de certaines prestations, d'ateliers que l'on peut animer, donc des ateliers qui peuvent être sur différents thèmes. Et ils peuvent aussi, bien sûr, bénéficier de formations plus ou moins longues, parce qu'il y a des personnes qui sont en reconversion totale et d'autres personnes qui ont juste besoin de remise à niveau ou d'élargissement de compétences pour pouvoir accéder de nouveau à un emploi. Le suivi, donc, il est individualisé, il est personnalisé. Il est réalisé par un référent donc dédié qui peut être un conseiller Pôle emploi, mais qui peut être aussi un prestataire. Nous travaillons donc avec un organisme prestataire. Donc nous partageons le suivi du CSP avec cet organisme. Il y a différentes possibilités pour ces personnes, donc si elles retrouvent un emploi, d'avoir des aides. Il y a ce qu'on appelle l'indemnité différentielle de reclassement, c'est-à-dire s'ils retrouvent un emploi qui est d'un salaire moindre de ce qu'ils avaient auparavant. Il y a un calcul qui est fait, il peut donc avoir une compensation même s'il travaille. Il y a aussi la prime de reclassement, bien sûr, avec une condition qui est bien sûr de retrouver un emploi durable, les emplois durables donc supérieurs ou égaux à 6 mois. Et donc la prime qui peut être versée à ces demandeurs d'emploi qui correspond quand même à 50% de ce qu'il leur reste d'allocation, donc qui est versée en 2 fois. Donc c'est quelque chose qui peut aussi inciter les personnes à retrouver quand même rapidement du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, au bout de ces 12 mois, si les personnes n'ont pas retrouvé un emploi durable, elles passent en demandeur d'emploi classique et du coup, peuvent bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi qui est quand même, donc, c'est vrai, différente de ce qu'ils percevaient jusque-là, puisque l'allocation spécifique dont je vous parlais est quand même de 75% de leur ancien salaire. Après, ils passent à 57%. Alors, sinon, pour vous donner quelques chiffres, on a quand même, en gros, 30% des demandeurs d'emploi qui sont suivis CSP qui retrouvent un emploi durable. Donc, je parle bien d'emploi durable, parce que sinon, il y en a qui retrouvent aussi des missions d'intérim.
2,5% qui créent leur entreprise, et idem pour les personnes qui sortent sur des formations longues, parce qu'il y a beaucoup de formations courtes. Les portefeuilles des conseillers sont d'environ 50 demandeurs d'emploi. Donc, comme disait ma collègue tout à l'heure, c'est vrai que ça favorise un suivi beaucoup plus intense et renforcé, comme on le dit, puisque forcément, chaque conseiller connaît parfaitement ses demandeurs d'emploi. Sur le Val-de-Marne, 11 conseillers sont dédiés donc à l'accompagnement CSP. Pour vous donner un autre ordre d'idée, on a des chiffres sur l'Île-de-France. Sur 2821 DE qui sont inscrits pour licenciement économique en décembre 2015, 1654 sont entrés dans le dispositif CSP, ce qui correspond à 59% des demandeurs d'emploi inscrits en licenciement économique. Donc, il y a bien sûr ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, mais il y a aussi ceux qui ont eu le choix et qui ont décidé de ne pas en bénéficier. Mais il y a quand même 59% donc qui ont opté pour le CSP. Alors, c'est vrai que du coup, c'est le suivi régulier, hein, comme je vous disais, pratiquement un contact hebdomadaire. Et le fait que le conseiller soit joignable très facilement, que ce soit par mail ou que ce soit par téléphone, par le demandeur d'emploi, donc du coup ça favorise bien sûr un suivi renforcé, un accompagnement du coup très renforcé. Voilà en ce qui concerne le CSP. L'accompagnement global. Alors l'accompagnement global, je ne sais pas si ça a déjà été le sujet ce matin, pas forcément. D'accord, c'est pour bien pouvoir situer, c'est pour ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plan pluriannuel contre la pauvreté et l'inclusion sociale, donc de janvier 2013, puis la conférence sociale pour l'emploi en juin 2013, donc invite les pôles emploi et les conseils départementaux donc, à développer leur complémentarité. Pour sortir d'approches un peu trop binaires, s'engager dans un accompagnement plus global et pour fluidifier les parcours et lever les difficultés que rencontrent les personnes donc en recherche d'emploi. Et donc, du coup, il y a un partenariat donc, qui est mis en place entre le département donc, et Pôle emploi. Déjà, qui est remis en perspective avec le pacte pour l'insertion et le développement social. Donc ça date de décembre 2014. Qui porte notamment donc comme priorité la volonté de permettre un accompagnement socio-professionnel pour les personnes qui le souhaitent, quel que soit leur statut. Et en février 2015, donc, il y a eu la signature de la convention donc, complémentaire d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi rencontrant des freins sociaux et professionnels. Donc cette signature vient confirmer la recherche d'une mise en complémentarité justement des interventions de chacun. Alors, ce rapprochement d'expertise va permettre aux conseillers Pôle emploi d'élaborer des parcours donc qui prennent davantage en compte les aspects sociaux, entre autres des bénéficiaires du RSA, mais pas forcément exclusivement ces personnes, et aussi donc aux acteurs du champ social donc d'intervenir dans l'accompagnement des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et de s'appuyer sur l'expertise des conseillers Pôle emploi en ce qui concerne la recherche d'emploi. Donc, les chiffres que je vais vous donner sont au 30 novembre 2015, sachant donc, comme je vous disais, que la convention a été signée en février. L'accompagnement global a réellement démarré en avril 2015, tout doucement. Et donc, à l'heure actuelle, sur le Val-de-Marne, il y a 19 conseillers Pôle emploi qui sont dédiés donc à ce dispositif exclusivement. Ils travaillent avec les 20 espaces de solidarité qui sont sur le Val-de-Marne, avec les CCAS, avec la CAF et des associations partenaires du Conseil départemental. Les portefeuilles tournent autour de 70 demandeurs d'emploi. Enfin, l'objectif est que chaque portefeuille ait d'environ 70 demandeurs d'emploi. Donc à ce jour, il y a 1017 demandeurs d'emploi qui sont entrés dans ce dispositif. 55 sont sortis du dispositif et sur ces 55, il y a donc 22 qui ont retrouvé un emploi. Donc ça fait quand même une proportion de 40% de reprise d'emploi au 30 novembre.
6 sont sortis donc pour formation longue et il y a eu une création d'entreprise. Alors, ce qu'on peut dire quand même sur des bonnes pratiques, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des échanges réguliers entre travailleurs sociaux et conseillers accompagnement global dans certaines EDS. Et ce qui a pu aussi faire avancer les choses, c'est la présentation de l'offre de services de Pôle emploi à l'EDS et inversement. Comme ça, chacun sait exactement qui fait quoi et le métier, comprend un petit peu le métier de l'autre. Et comme régulièrement, mensuellement, ils se rejoignent pour ce qu'on appelle une instance de coordination, il y a le conseiller accompagnement global qui peut rencontrer aussi les travailleurs sociaux. Alors, bien sûr, on peut énumérer aussi des freins, c'est la méconnaissance du travail de l'autre, du conseiller Pôle emploi vis-à-vis du travailleur social vis-à-vis du conseiller Pôle emploi, puisqu'il y a le temps de bien se caler, donc d'où des envois, des présentations de demandeurs d'emploi qui du coup ne pouvaient pas intégrer le dispositif. Mais bien sûr, puisqu'on les a identifiés, ces freins, donc nous pouvons maintenant les lever. Et parfois des délais d'intervention selon les établissements qui peuvent être plus ou moins longs, le temps aussi d'un calage. Voilà ce que je pouvais vous dire donc du CSP et de l'accompagnement global. Donc je vais finir l'intervention de Pôle emploi sur deux champs. Je sais que le temps vous est compté. Sur la partie entreprise, je vous parlais tout à l'heure du territoire et je vous rappelais en effet, compte tenu des communes, la chance que nous pouvions avoir sur les zones d'emploi. Donc pour vous donner une idée, on a aujourd'hui sur le territoire du Pôle emploi de Choisy-le-Roi 15 510 entreprises. Alors, dans ces 15 510 entreprises, il y en a 3691 qui ont au moins un salarié. Donc voilà, on est quand même sur un rapport qui est important à avoir en tête. Sur ces 15 510 entreprises, il y en a 655 qui sont clientes du Pôle emploi de Choisy-le-Roi. Et sur les 3691 qui ont au moins un salarié, 483 sont clientes du Pôle emploi de Choisy-le-Roi. Quand on dit cliente, ça veut dire que c'est une entreprise qui a déposé une offre dans les 12 derniers mois maximum. Voilà. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, sur l'année 2015, on a enregistré 6389 offres d'emploi. Depuis le début de l'année 2015, il y a une nouvelle structure, organisation au Pôle emploi, c'est-à-dire que jusque-là, les conseillers Pôle emploi avaient une compétence sur l'accompagnement du demandeur d'emploi et le suivi des relations avec les entreprises, l'enregistrement des offres et le suivi des offres jusqu'au placement. Depuis le mois de janvier, il a été décidé de créer des équipes spécifiques entreprises. Donc sur le Pôle emploi de Choisy-le-Roi, il y a 7 conseillers qui, entre 60% et 100% de leur temps, travaillent exclusivement avec les entreprises pour la rencontre des entreprises, l'identification de leurs besoins, de leurs activités, le recueil des offres et le travail sur l'offre jusqu'au placement du demandeur d'emploi. Il est évident que cette équipe de conseillers entreprises travaille avec les conseillers qui gèrent les demandeurs d'emploi de façon à pouvoir placer les demandeurs d'emploi. Voilà sur la partie entreprise. Et donc une dernière focale sur le partenariat. Je voulais vous citer 4 exemples de partenariats qui fonctionnent bien sur le territoire de Choisy-le-Roi. Donc on a mené une opération le 10 septembre à Orly avec le service économique de la ville d'Orly et un certain nombre de partenaires dont la mission locale, le conseil départemental. L'idée, c'était vraiment dans la lignée de la signature du contrat de ville, de dire qu'est-ce que l'on peut faire pour aller au-devant des personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires. Et donc, on a organisé une rencontre dans le quartier des Navigateurs, qui est donc un quartier prioritaire politique de la ville à Orly. Et on était plusieurs, donc les partenaires dont je vous parlais, il y avait aussi une structure d'insertion par l'activité économique, à être présents
et à aller au-devant des personnes qui habitent dans ce quartier, donc qui ne connaissent pas forcément nos structures. Et c'était de pouvoir échanger avec eux par rapport à leur situation sur ce que l'on pouvait faire avec eux. Et donc les personnes qui étaient présentes pour le pôle emploi, il y avait un conseiller qui justement met en œuvre l'accompagnement global et un conseiller qui met en œuvre l'accompagnement intensif jeune. Et l'idée, c'était vraiment d'expliquer, voilà, aujourd'hui, vous ne venez pas forcément nous voir, mais sachez que si vous venez nous voir, on peut mettre ça en place ensemble. Et c'est ce qui a permis, à minima, sur l'accompagnement intensif, dans les trois semaines qui suivaient, le conseiller était vraiment content de venir me dire... cette personne, je l'ai rencontrée ce jour-là, eh bien, elle vient de venir s'inscrire et je vais pouvoir la suivre en accompagnement intensif jeune. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, que l'on va renouveler avec le service économique de la ville d'Orly et que j'ai pu proposer à d'autres communes qui sont dans le cadre des quartiers politiques de la ville, du territoire, pour qu'on puisse le développer dans toutes les communes concernées. Je voulais aussi vous dire que, notamment avec le service économique de la ville d'Orly à nouveau, mais aussi de la ville de Choisy-le-Roi, à chaque fois qu'il y a une entreprise qui vient s'installer, qui est identifiée par les services économiques de la commune, on organise des rencontres. On est plusieurs acteurs du service local de l'emploi, pour le coup. Donc il y a généralement, à minima, la mission locale, le PLI et le Pôle emploi. Et en une seule fois, on présente les services à destination des entreprises et à la suite, quand il y a des entreprises qui recrutent, c'est le cas là pour le Franprix de Choisy-le-Roi, on organise ensemble des sessions de recrutement. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier aussi l'arrivée des entreprises pour qu'elles puissent comprendre quels sont les services qui sont mis à leur disposition et que nous, on puisse faire le lien, évidemment, avec les demandeurs d'emploi. Autre expérience, j'ai rencontré par l'intermédiaire de la mission locale Bièvre-Val-de-Marne un professeur qui est au lycée Guillaume Apollinaire de Thiers et qui a organisé une rencontre avec des professionnels de l'emploi et des entreprises qui recrutent et avec ses étudiants pour pouvoir présenter les dispositifs qui pouvaient s'offrir à eux si besoin à la sortie de leurs études et puis pouvoir nous poser des questions sur comment est-ce que je fais aujourd'hui pour organiser ma recherche d'emploi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner. Donc c'est une rencontre qui a eu lieu en 2015, au mois de mai, et on a gardé contact avec ce professeur et donc là on s'est rencontrés à de nombreuses reprises et là on vient de caler avec deux conseillères du Pôle emploi une rencontre avec les étudiants. Donc on va faire travailler les étudiants sur un diagnostic local du territoire, qu'ils découvrent un petit peu les opportunités d'emploi dans les métiers sur lesquels ils sont formés sur le territoire, parce que souvent on méconnaît les entreprises du territoire, et surtout quand on a une proximité avec Paris, on peut avoir rapidement l'envie de prendre le métro et d'aller sur Paris. Et donc du coup, on va les faire travailler à partir des éléments chiffrés qu'on va leur donner sur un diagnostic, et les conseillères viendront dans un deuxième temps pour faire un diagnostic partagé et conseiller les étudiants sur ce qu'ils peuvent faire, soit dans le cadre de poursuites d'études par rapport à leur premier niveau, puisque là ils sont en BTS, soit s'ils souhaitent arrêter, quelles sont les entreprises qu'ils peuvent en priorité contacter dans le cadre de leur recherche d'emploi.